pour commencer, donc, il faut deux choses. Il faut la cire, la mèche. En ce qui concerne la mèche, vous avez ici le taille-mèche. Bon, on dispose sur ce taille-mèche des pelotes de mèche qui sont faites en coton, un coton qui reçoit un traitement spécial dans les filatures. Alors, suivant les cierges qu'on va faire, on choisit d'abord la grosseur de mèche ou la qualité de mèche, suivant les bougies qui vont être faites ensuite. Et on dispose aussi la longueur. Donc, c'est réglable, il y a des pointes que l'on déplace et on peut régler la longueur. Alors, le procédé consiste à coincer les mèches dans des barres. Ensuite, de tirer cette barre à la longueur voulue. On taille ainsi plusieurs mèches d'un coup. On peut tailler jusqu'à 40 mèches d'un coup. Quelle est la matière bleue qu'on met sur là? Ça, c'est un produit ininflammable. On met ça en principe que pour les cierges. L'avantage de ce produit, c'est qu'on le met à la base, enfin près du pied du cierge, et quand la flamme arrive à cet endroit-là, ça s'éteint tout seul. Alors, on taille une tournée complète, la tournée complète étant ce qui sera disposé sur le plateau du manège. Vous voyez ici le manège qui est composé de 8 plateaux. Bon, le manège tourne sur lui-même, bien sûr. Il est composé de 8 plateaux que l'on peut faire descendre dans une cuve avec une poulie. Donc le principe consiste à faire descendre successivement les 8 plateaux dans la cuve qui est remplie de cire. Et à chaque fois, une couche de cire se dépose sur la mèche. Donc les cierges grossissent petit à petit, alors il faut bien sûr tailler les mèches à la longueur voulue. Vous avez vu donc un procédé traditionnel de fabrication, celui par trempage. Vous avez ici le procédé de fabrication par jetage, c'est-à-dire qu'au lieu de tremper les mèches dans la cire, on prend au contraire la cire avec une cuillère et on arrose les mèches. Donc ça s'appelle jetage parce qu'on jette la cire sur la mèche avec une cuillère. Donc ça revient un peu au même si vous voulez, sauf que c'est beaucoup plus fatigant parce qu'il faut lever la cire à la main. Et c'est beaucoup plus long parce qu'on arrose les mèches une par une. Alors qu'avec le manège, on arrive à en tremper 120 d'un coup. Sinon, ça revient au même. Alors nous, ce procédé-là, qui est lui beaucoup plus ancien, qui remonte carrément au Moyen-Âge, on ne s'en sert plus que pour finir les cylindriques, ou bien pour faire des petites séries de couleurs qui ne justifient pas une pleine cuve de couleurs de l'autre côté. Alors, une fois la fabrication proprement dite faite, donc soit au manège, soit au jetage, les cierges ont à peu près leur forme définitive, on passe ici à la dernière partie du travail, qui consiste pour les cierges à faire ce qu'on appelle la perce, c'est-à-dire qu'on fait un trou à la base du cierge pour qu'il puisse se poser sur les pics des bougeoirs. Alors pour ce faire ici, on le fait, ce que vous voyez là, on le fait à chaud, c'est-à-dire qu'on met le cierge à ramollir dans une bassine, là, dans de l'eau chaude. Quand il est ramolli, on peut faire le trou dedans en écartant la cire. C'est une perce à chaud qui est à la fois plus solide et beaucoup plus importante qu'une perce à froid. Alors vous voyez là des vieux outils que personnellement je n'ai jamais vu servir, donc qui servaient à donner des formes aux cierges ou à les percer. Donc c'était des cierges énormes qui ne se font plus maintenant. Ça se fait plus maintenant. On n'emploie plus des si grosses broches, on en emploie encore qui est jusqu'à 40 cm de long, mais pas plus. Mais pour les cierges Pascal, on emploie encore comme celle qui est la plus à droite, on arrive presque à employer encore ça. Mais pas les grosses là, ça s'emploie plus.
Alors ce qu'on fait également ici, toujours en les faisant ramollir, on peut couper les petits cylindriques. On les coupe à 10, à 20, peu importe. Hein. Les gros cylindriques, on peut les couper sans les faire réchauffer dans l'eau chaude. Il suffit de les couper sur une lame de scie hein, qu'on fait chauffer avant. Et on peut faire également la perce. Pour les petits cierges, en faisant ce travail-là, on fait un travail quand même mieux que celui de la machine. Par contre, qui est beaucoup plus long. Bon, ce qu'on fait également ici, puisque c'est la finition, on fait les dernières retouches de couleurs. On fait certaines bougies qui ont une forme particulière. On a des flambeaux trois branches qu'on met justement en les mettant dans l'eau chaude. Quand vous coupez les bougies, en fait, vous mettez un petit tampon Quand c'est du 30%, oui, c'est-à-dire qu'il y a des fabrications spéciales dont l'une est contrôlable qui contient 30% de cire d'abeille. Alors sur celle-ci, on est obligé de mettre un tampon pour justifier la qualité du mélange. C'est une obligation légale. Oui, c'est contrôlable. Oui. Vas-y. Il y a le nom de la maison et le fait qu'il y a 30% de... Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez ici dans les caisses là, qui sont devant nous, ce sont des barres qui attendent d'être coupées. Donc c'est des barres cylindriques qu'on a faites cylindriques, comme je vous expliquais tout à l'heure. Elles font la profondeur des caisses, c'est-à-dire elles font 1m20, 1m10. Elles attendent d'être éventuellement soit vendues en entier si c'est des cierges, pour en faire des cierges Pascal, soit découpées à des longueurs variables suivant ce que veulent les clients. Bon, cette pièce a l'avantage d'être toujours à peu près à la même température, et une température qui est assez fraîche. Le mieux pour garder la cire. Bon, en haut, on voit aussi des bougies couleur qui sont destinées, celles-ci, à faire des flambeaux trois branches. C'est-à-dire qu'on les réunira trois par trois pour faire un flambeau. D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez les couleurs en fonction de quoi? Les couleurs. Oui, c'est-à-dire qu'on a toute une gamme de couleurs. On a environ une vingtaine de couleurs. On peut éventuellement faire des couleurs à la demande. Bon, on a nous-mêmes une vingtaine de couleurs qui ne sont pas toujours les mêmes. On ne cherche pas forcément à refaire les mêmes. Quand on refait les couleurs, on s'arrange pour avoir trois bleus, trois rouges qui vont bien ensemble, etc. Et puis il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres. Et ben là comme ailleurs, il y a des couleurs traditionnelles, ivoire, vieille cire, rouge, et puis comme dans d'autres domaines, il y a la mode. La décoration, si vous voulez, ça se fait à certaines périodes. Bon, en ce qui concerne évidemment la finition elle-même, c'est plutôt Jean-Claude, celui qui fait la perce, qui donne les formes aux cierges, qui finit les couleurs. Les décorations ici, bon, se font. Bon, la vendeuse fait également ça, elle fait l'emballage, elle fait de la décoration. Hein. Les bougies en cire d'abeille en forme de fleurs, les bougies décorées, etc., c'est elle qui s'en occupe. Enfin, bon, d'autres savent aussi le faire. Bon, alors on a donc une clientèle régionale. Ceux qui sont sur Poitiers ou sur la Vienne viennent au magasin eux-mêmes. Bon, après on livre, disons, jusqu'à Tours. Bon, Tours, Châteauroux, Angoulême, La Rochelle, Niort, en gros. Hein. Bien entendu, on n'a pas tous les clients dans ce domaine-là, mais on a une bonne partie de la clientèle dans ces régions-là. Hein. Alors la maison est censée exister depuis 1735. Bon, pas forcément exactement au même endroit, mais disons dans la Grand-Rue, là. Donc depuis 1735, elle existe donc toujours sous forme artisanale. Jusqu'à la guerre, il y avait encore trois ciriers à Poitiers. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a pas d'autres dans la ville. Quelle guerre? La dernière, là. Oui, 45. Oui, oui, oui. Donc maintenant, on n'est plus... Non seulement on est les seuls sur Poitiers, mais on est même quasiment les seuls dans la région. Les plus proches ciriers sont maintenant à Brive, près de Nantes,
et où un atelier également à Saintes.